pas pareil. Bon, donc, Kimi, Talcott, je m'attends à avoir un très bon match des deux. Ouais, c'est sûr. Genre, Talcott s'est tellement amélioré, genre, son fuck s'est tellement rendu bon. Ouais. Puis Kimi, ben, je le vois plus. Fait. Mais Kimi, genre, c'est notre du Saguenay, on ouais. va dire. Le top 1. Ouais, je m'inquiète pas, ça va être des bug games. Mais ça commence fort tout de suite, Peach contre Fox. Ouais. Puis ils font beaucoup de friendly ensemble. Fait que je sais même pas. Ouais. Je sais que c'est les deux ils jouent pas mal. Surtout Talcott, ils s'aiment bien. On est allé chez Fnag la semaine passée, puis ils ont fait genre de friendly toute la soirée. Ouais. Donc. Jordan qui a un problème avec la chaise. Ça roule. C'est bon, ils sont prêts. Alright. Alright, comme. Donc ça va commencer raide. Surtout que maintenant, Jordan il joue Fox. Fait que ça va changer pas mal de choses. Ouais, mais Fox qui est quand même un match-up quand même bon pour Peach. Ben, personnellement, parce que Peach peut tellement avoir ses combos faciles, genre ouais. Down air, fair, genre ouais. avec son flow. Elle peut même avoir le infinite sur Fox. Comme si j'avais dit. Oh voilà. Shit! Oh shit! 6%! 6%! C'est Fox, il est tellement léger, c'est vraiment le désavantage de Fox. Ouais, vraiment. Puis surtout, Kimi connaît genre très bien le match-up. Puis on est allé à Montréal, puis il a joué contre. Il a joué contre pas mal de Fox. Il a joué contre les meilleurs Fox à Montréal. Il a joué contre. Il a gagné contre Exolder. Il a eu un close set contre Fouid. Je pense qu'il a joué contre Guard aussi, mais je suis sûr. Ouais. Il y a eu un close set contre Guard aussi. Oh shit! Voilà. Oh shit! Le FR est tellement bien timé. Juste comme ça. Oh, moins un peu là. Et voilà. Smash! Le 5 yes, stage, c'est Destruction. Shit. Wow. Ça, c'est William. Des fois, on se demande s'il est là. Will. À chaque fois, il est pas tant constant. Des fois, ça y arrive de ouais, trop. Ben, Will est tellement bon pour juste lander les combos. Ouais, c'est la ça. La personne, ça se Jigglypuff, ça se Bowser, il va être capable de lander les combos comme ça serait rien. Ouais, vraiment. Je veux dire. Il connaît assez le timing du sidebait Fox pour le punish à chaque fois. Surtout Fox est tellement léger, il est mort à quoi 75? Puis t'étais même pas sur le bord de la. Ah, c'est fou. Bonne game. Mais s'il joue bien comme ça tout le temps, il va se rendre loin. Justement, il faut retourner à Montréal, là, t'es on évolue pareil, quoi. Comme petite communauté de 5 games. Ouais, on se débrouille. Tranquillement. Et on n'a pas des top 10 à Montréal, mais. Ah, et prochaine fois! Prochaine fois qu'il y a un tournoi à Québec, ça, je veux une chose: True Battle, Trois-Rivières, Saguenay. Tu vois pas loin. Parce que c'est deux villes qui se ressemblent, je pense. Ouais, non, si tu vois quelqu'un. S'il y a quelqu'un de Trois-Rivières dans le stream, désolé, mais ils ont aucune chance. Non, faut dire ça. Il y a des très bons joueurs, il y a des vraiment bons joueurs. Non, c'est pas vrai, il y a des bons joueurs. Je fais exprès. Genre Yann Snow, ils sont morts. Bon, ok, deuxième game. On voit que ça va déjà mieux. Oui. Talcott est déjà plus à l'aise avec le match-up que Fox. Ben, les deux connaissent pas mal le match-up. Ouais, c'est un match-up qu'on voit très souvent. À chaque tournoi, presque. Ah, ouais, presque à chaque tournoi. Puis je veux dire, en friendly, ils font souvent. Mais je sais pas le pourcentage exact que le Ding Dong marche. Ça doit être très lourd. Je suis même pas sûr que ça va être sur Peach. Comme. Ouais, parce que Flo aussi, on. Très Flo aussi, surtout Ziki avec un peu de rage, je sais pas ce qui peut arriver. Ouais. De toute façon, William, il y a pas grand chose de garanti sur lui, il est capable de trouver le timing pour sortir. Ouais, exactement. T'en copes aussi, remarque. En général. Bon petit radis ici. C'est les détails qui font la différence, mais les petits radis comme ça, ça force tellement l'autre joueur. À partir. Les radis sont tellement bons dans ce match-up là parce que ce que dans le fond DK va avoir, surtout la force de DK en général, c'est son grab. Il peut avoir des follow-up, puis un kill throw, puis dans le fond les turnips, c'est sûr que ça aide extrêmement. Peach à juste garder distance, faire un meilleur neutral game contre DK. Ouf, en parlant de neutral, le neutral beat Peach. Ouais. Unpunished, c'est correct. Ça c'est risqué. Le backer que tu es. Mauvais d'hier. Ouais, je crois que l'outil y aurait pu être. Ouf. Oh, bon recovery, c'était vraiment. Ouais, c'était clutch. Il a bien su le spot. Oh, beau backer. Beau backer. Ouais, j'ai eu un peu ce problème là des fois avec les bombes. Je faisais un don.
je mettais la bombe par en bas, la personne l'attrapait avec un propel. Ouais, c'est ça, on pense qu'on est safe quand ouais. on tire un projectile, mais on l'est jamais. Surtout avec les gros pieds de Donkey Kong. Ding dong! Oh, non. Non, même pas, c'était un neutre. Non, parce que dans le fond, il veut pas scaler son propel. Parce que ouais. quand ça va être le temps de tuer, ben il veut que ça tue. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est déjà plus serré que la première game. Ouais, beaucoup. Oh, le 5 puis 13 qui est très risqué, surtout t'as prendre le login. Ding dong, c'est fini. Il a bien fait de poster les finales. Il savait le pourcentage, je suis sûr qu'il savait. T'as su quand il y a pas mot? Ouais. Il ouais, savait. Ouais. Il connaît. Il savait qu'à tel pourcentage, ça allait marcher. Ouais, je connais Jordan, je suis sûr qu'il est allé en practice mode puis qu'il connaît son pourcentage. Ouais. Là, il est content ici. Surtout contre Peach. C'est comme un peu savoir les Octillo Shoryuken. Oh! Bayonetta fuck! Bayonetta. Ouh. C'est pas très bon pour Donkey Kong ça. Vrai. C'est pour ça que t'as tout avantage à gagner la première game. C'est. Niveau combo, c'est à mort. Mais j'ai Bayonetta, très légère, et fast fall. Ben, personnellement je pense qu'à fast fall. Ouais, mais. Comme, je voulais juste checker les pourcentages pour voir avec ton link Optil Upper, tu as quel pourcentage. Puis étonnamment 85% là-dessus. Ouais, c'est bon. C'est sûr, mais. Parce que normalement, sur un personnage normal, ça tue à 110. Oh yes! La musique. Oh! La musique en plus. Juste pour moi. Donc, merci les gars. On va voir comment. Ouais. Vive Fire Emblem. On va voir comment. Ouais, il peut se débrouiller. Oh! Ding dong. Start. Oh! Déjà! Même pas 10 secondes! 10 secondes, 60-61. Ouais, c'est solide, c'est solide. Il y a pas juste Bayo qui a des combos dans ce match-up là. Mais l'Ipsolet, ça peut quand même faire chier ouais, solide. Ouais, surtout que DK est débile. Et voilà, les combos, je veux dire, ça va être... Quelqu'un fait 40%, ouais, c'est par ça. Après fait 40%. C'est ouais. ça, faut pas cliquer leur neutral game, c'est vraiment important. Bon. J'ai hâte de voir ce Gumu. Vas-y. Non, j'allais dire que Jordan a l'air très à l'aise. Ouais, ben les deux joueurs, c'est sûr que Jordan a pas mal plus joué Donkey Kong que William a joué oui, mais, Bayonetta. Oui, oui, mais on s'entend que Bayonetta, quand tu ne connais pas le match-up, c'est dur de faire de quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est, on a beau dire, ouais, ça fait 5 jours que je joue Bayonetta, mais... Ça fait 5 jours que je joue contre Bayonetta. Faire. Tu peux pas t'adapter au Witch Time, à part les idées, tu peux pas t'adapter. Ouais. Ben tantôt. Ouf. Ok, beau punish. Parce que le grab ça aurait rien fait. Ouais. Le ding dong c'est moins bon. Les deux sont quand même high percent. Un witch time c'est fini. Un back air de DK puis même un back throw. Le back throw, ouais. Je sais pas si tu y aurais pu une mais pas une Bayonetta qui est tellement légère. Ouais. Non, c'est le match-up est moins brutal que je pensais honnêtement. Surtout que j'avais vu à Bayonetta de William puis il est quand même solide. Si le DK, c'est DK, pas bon, le grab. Bon. Ouais. C'est ça. À chaque fois j'ai peur. Je sais qu'on peut survivre, mais ça me fait peur à chaque fois. Quand même 33% déjà. Je veux dire en ce moment Jordan il prend ce qu'il peut. D'après moi un autre power throw sur l'edge devrait tuer. On verra, il est quand même stylé. Oh non! Il est stylé. Un bon power throw. Surtout que les bolettes off stage, j'en ai pas, c'est ça, c'est ça tue. Ouais. Ouh, je pensais qu'il allait aller avec la dame. Avec... Oh, qu'il s'est tout totalement. Je suis pas sûr, ça aurait tué non plus dedans. C'est serré parce que. Et voilà, il est mort. Bon, enfin. Parce que juste 33% sur Bayonetta. Ben, pas juste. Regarde, 50. C'est pas rien. Oui, mais Bayonetta. 25 des bullets, ça a aucun sens. Avec le bullet. Ça a aucun sens. C'est. Bayonetta, c'est tellement. Pas vraiment pas safe, c'est pas sa meilleure idée. Oh, je sais pas si. Si start un combo. C'est even, fucking even. Jusqu'à ce qu'il y ait un grab, c'est fini. Donc, GG, Talk Up. Il a gagné. Ce que je pensais que ce serait pas mal plus brutal. Ouais. Mais d'après moi, il était juste à l'aise. Ouais, il est à l'aise. On le voit, il était mais pas. J'ai vu aucun Witch Time. Non, c'est vrai. J'ai vu aucun Witch Time. Parce qu'il devait... Mais. Contre Jordan, c'est dur de faire de counter. J'ai joué contre lui avec Corinne, j'ai pas le fait un counter du fucking set. Ben, c'est que tu te fais tellement punish, surtout contre DK. Ouais, c'est ça. C'est tellement facile. Tu te fais tellement punish hard pour des counters. Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, la force de DK, c'est ses grabs. Fait que tu peux pas
counter en neutral. Non, c'est vrai, tu peux vrai. Pas counter son Ding Dong parce que Jordan, il connaît les pourcentages. Ouais, exact. Il va pas le faire quand t'as l'occasion de counter. Donc, bravo de jouer, c'était vraiment une belle game. Ouais, c'est un bon set. C'est ce qu'on s'attendait, puis on en a eu bon. Là, on va... Ouais. Hey Jordan, on va faire avancer.